Maintenant, on va passer à ceux qu'on a coutume d'appeler les médecins de la terre, mais il en manque un aujourd'hui, une plus exactement. Donc, Claude Bourguignon, on ne le présente pas. Hein. Donc, je vais simplement lui donner la parole tout de suite. Et puis, il va nous dire ce qu'il a d'essentiel à nous dire sur son parcours. Et puis, surtout, je le laisse totalement libre, comme vous d'ailleurs. Hein. Je vous ai laissé libre de dire ce que vous vouliez. Merci. Ça marche, oui. Bon, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de la deuxième session nationale de biodiversité de nous avoir invités. Puis, je voudrais excuser Lydia. Bon, on a été un peu trop surchargés ces temps-ci. On a pris 15 fois l'avion en moins d'un mois. Donc, on était un peu sur les rotules. Donc, elle s'excuse et elle m'a dit bon, que c'est à moi de la représenter. Donc, je vais rapidement parler de mon parcours. J'ai un parcours un petit peu spécial, puisque je ne voulais pas du tout faire de la grande nuit. À l'âge de 14 ans, j'ai fondé avec des copains du lycée Montaigne le groupe ornithologique parisien. Je travaillais avec le WWF. On a commencé à créer des réserves. Et donc, je voulais travailler dans l'écologie. J'ai donc fait une maîtrise en physiologie et zoologie à l'Université de Paris. Et puis, c'est en travaillant sur des comptages de tiques dans l'Himalaya que j'ai vu, première fois de ma vie, j'ai vu des hommes mourir de faim. Je n'avais jamais vu ça. J'étais un gamin de l'après-guerre. Je ne savais pas ce qu'était la famine. Et je me suis dit, on ne peut pas protéger les tigres s'il y a des gens qui meurent de faim. Donc, je suis rentré des Indes et je me suis présenté à l'agro. J'ai été reçu, je ne sais pas comment, un coup de peau, quoi. Bon, c'est vrai que j'avais des publications depuis l'âge de 14 ans, donc c'est peut-être ça qui a fait qu'ils m'ont permis de rentrer. Et là, j'ai découvert un monde de fous. On nous apprenait à donner de la viande aux vaches pour augmenter la production laitière. On nous apprenait l'art d'entasser les pauvres bêtes dans des conditions infernales, les surcharges d'azote et tout. J'ai dit, mais ils sont fous alliés, ces gars-là. Donc, j'ai décidé en troisième année de rentrer en microbiologie des sols, de reprendre le sol à la base. À l'époque, il y avait encore à l'agro une chaire de microbiologie des sols. Et coup de chance, au moment où je suis arrivé, Monod, le prix Nobel, venait de devenir directeur de l'Institut Pasteur. Et première chose qu'il a fait quand il est arrivé, il a supprimé le labo de microbiologie des sols en disant que la microbiologie des sols, ça servait à rien. Et donc, les trois chercheurs, Kaiser, Tardieu et Pochon, n'avaient plus de laboratoire, ils ont été foutus à la porte, et ils ont été reçus dans le laboratoire de microbiologie sol de l'agro. Et donc, je me suis retrouvé avec trois professeurs prêts de partir à la retraite, et j'ai redécouvert le bon sens. Des hommes qui m'ont appris que c'était les mycorhizes qui donnaient le phosphore aux plantes, que c'était les sulfobactéries qui donnaient le soufre, etc. Et j'ai eu à ce moment-là, pendant ma troisième année, en plus j'étais tout seul, donc j'ai terminé premier dans ma spécialité, ce qui était quand même pratique, et j'ai eu tout seul un cours particulier. Et ensuite, en sortant de l'agro, en microbiologie des sols, il n'y avait qu'un seul labo, c'était Dijon. Et c'est là que j'ai rencontré Lydia. Lydia travaillait sur la qualité des aliments et moi je travaillais sur la qualité des sols. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et comme l'INRA à l'époque ne voulait pas entendre parler de l'agriculture biologique et qu'avec Philippe Desbrosses on se rencontrait régulièrement en catimini, parce que c'était strictement interdit par l'INRA de travailler sur la biologie, donc j'ai commencé à passer pour une mauvaise tête à l'agro. En plus, j'ai fondé un collège d'agriculture biodynamique à Malval avec des copains scientifiques. Donc l'INRA a voulu qu'on arrête ce collège en disant que c'était scandaleux, que je tachais l'image de l'INRA. Donc j'ai passé vraiment pour quelqu'un de pas gentil. Donc avec Lydia, on a décidé de quitter l'Institut et on a fondé notre laboratoire en 1989, qui est donc un laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Depuis 1989, nous avons analysé plus de 12 000 sols à travers le monde, dans à peu près toutes les écologies de la planète. Donc, sans me vanter, je peux commencer à vous dire comment ça marche un sol. Alors, je vais parler comment marche un sol dans nos régions. Dans nos régions, la France, avant que nous la cultivions, était couverte à 90% de forêts. Et comment ça marche un sol? Comment un sol fait pour fonctionner pendant des milliers d'années sans être dégradé? Et dès que l'homme... dès que la main de l'homme y met les pieds, elle casse tout. Donc pourquoi l'homme casse les sols alors que la nature sait les faire pousser pendant des milliers d'années, hein. Pour vous donner une idée, le plus vieux modèle biologique que nous connaissons, c'est la forêt de Bornéo. C'est une forêt qui a 150 millions d'années, qui reçoit entre 3 mètres et 9 mètres d'eau par an et qui continue à faire pousser les plus grands arbres du monde, les diptérocarpus, qui font 80 mètres de haut. Imaginez que la nature laisse passer un petit peu d'azote. Nous, on laisse partir 40 unités d'azote chaque année dans les nappes phréatiques. Imaginez que la nature laisse passer, je ne sais pas moi, un millième d'azote, mais en 150 millions d'années, il n'y aurait plus rien sur Bornéo, ce serait un désert. Or, ce n'est pas un désert, c'est la forêt la plus riche du monde. Alors, comment ça marche? Comment le système vivant fait pour fonctionner? Il fonctionne de la façon suivante. L'arbre, c'est le maître des sols. C'est pour ça que les anciens, quand ils ont, après avoir ruiné les sols d'Europe, ont réussi à créer l'équilibre agro-silvo-pastoral au XIXe siècle, ont arrêté la famine en Europe, c'est qu'ils avaient inconsciemment, tout à fait empiriquement, reconstitué l'arbre, réinjecté l'arbre dans la forêt. C'était sous forme, dans l'agriculture, c'était sous forme de haie, mais l'arbre est indispensable. Alors comment ça marche en forêt? Ça marche de la façon suivante. L'arbre, tous les ans, il fait tomber des feuilles mortes et des branches mortes sur le sol. Ces branches vont être attaquées par une faune qu'on appelle la faune épigée. Cette faune va manger tous ces bouts de bois, toutes ces feuilles, et va faire des crottes.
Ces crottes, c'est quoi? C'est la matière organique broyée en éléments très très fins qui va permettre donc aux seuls organismes au monde qui sont capables d'attaquer la lignine, qui sont les champignons, les basidiomycètes, vont leur permettre d'attaquer ces crottes et de les transformer en humus. Donc, ce qui est intéressant dans le système vivant, c'est que vous pouvez remarquer que la fabrication d'humus se fait à la surface du sol. On comprend tout de suite pourquoi le labour est une machine de destruction massive des sols, c'est qu'elle met la matière organique sous le sol, ce qui est une absurdité. Ces animaux, ils ne vivent pas sous le sol, les épigées, ils vivent à la surface du sol. Les arbres, eux, ils vont s'adapter à ce système très astucieux, ils vont faire un double enracinement. Vous avez vu avec l'ouragan de 99, des arbres arrachés, hein. Ils ont un enracinement horizontal qui est sous la matière organique. On peut se dire, mais pourquoi les arbres ont développé ce réseau de racines horizontales sous cette couche de matière organique? C'est qu'au printemps, les humus qui ont été formés pendant l'automne et l'hiver par les basidiomycètes vont être minéralisés quand le sol va se réchauffer par les bactéries. Les champignons font l'humus, les bactéries minéralisent. En minéralisant, elles vont libérer du nitrate, du phosphate qui va descendre avec l'eau de pluie. Et là, il y a les racines horizontales de l'arbre qui va récupérer le nitrate, le phosphate et qui va le renvoyer dans la frondaison. Le système sol-plante est fermé dans la nature. Il n'y a pas de fuite. C'est pour ça que les nappes phréatiques sont propres sous les arbres. C'est que l'arbre, il a mis ses racines sous la matière organique. La grande bêtise de l'agriculture, c'est qu'elle laboure et elle met la matière organique sous les racines. Donc le temps que les racines arrivent, c'est minéralisé, vous envoyez dans les nappes. Donc première leçon, ne jamais enfouir de matière organique dans un sol. La nature nous le dit, il suffit de regarder le livre. Ensuite, les arbres, ils ont un deuxième système d'enracinement qu'on appelle le pivot, système pivotant. Ce système pivotant va descendre jusqu'à la roche-mère. Là, il y a deux solutions. Où la roche-mère est fissurée, l'arbre va continuer son chemin. Alors, record d'enracinement sous chêne en Europe, 150 mètres de profondeur, sous orme, 110 mètres, sous merisier, 140 mètres. Bon, on ne s'amuse pas à faire des trous de 150 mètres, c'est les spéléologues qui nous rapportent des racines du fond des grottes, et ils nous disent, au fond des grottes, on voit les racines qui pendent à la surface, et il y a de l'eau qui ruisselle. L'arbre est le seul organisme vivant du monde qui est capable de prendre l'excédent de l'eau de pluie, de l'envoyer le long de ses racines, dans lequel il va absorber tous les éléments nutritifs, et d'emmener cette eau pure dans la nappe phréatique. C'est pour ça que l'arbre est indispensable dans le fonctionnement de cette planète, c'est qu'il est seul capable de remplir la nappe phréatique. À cette profondeur-là, la racine de l'arbre est en contact avec le monde minéral. Et qu'est-ce que va faire la racine de l'arbre? Elle va sécréter des acides, elle va attaquer le caillou et elle va le transformer en argile. Donc ce qui est intéressant, puisque le sol est un complexe argilo-humique, c'est que l'humus est fabriqué en surface grâce au travail des champignons et de la faune épigée, et les argiles sont fabriquées en profondeur par l'attaque des racines des arbres au contact du monde minéral. À cette profondeur, il y a des racines qui meurent. De nouvelles racines arrivent. Et il existe heureusement une faune qui se nourrit de racines mortes, qui nettoie toutes ces racines mortes, qui va libérer de nouvelles galeries pour les racines suivantes. C'est ce qu'on appelle la faune endogée. Alors on retrouve les mêmes groupes qu'en surface, des collemboles, des acariens, des vers, sauf qu'ils sont petits, aveugles, et leur boulot, c'est toujours de nettoyer des racines. Pour vous donner une idée du travail de cette faune endogée, un blé fait 200 km de racines et 5000 km de poils absorbants. Un blé, hein? Nous en mettons 200 au mètre carré, c'est-à-dire qu'un blé, c'est 4 milliards de kilomètres de racines. Eh bien, ces 4 milliards de kilomètres de racines seront mangés par la faune endogée pendant l'hiver et permettront à l'orge qui suivra, ou au colza, de s'enraciner. Alors, on voit que l'argile est produite en profondeur, l'humus est produit en surface, il y a une faune épigée qui aère le sol en surface et une faune endogée qui aère le sol en profondeur, mais comment argile et humus se rencontrent? Parce qu'il faut bien qu'ils se rencontrent pour former le sol. Ils vont se rencontrer grâce à une troisième faune, que vous connaissez généralement tous, qui sont les vers de terre. Dans les pays tropicaux, ce sont les termites qui font le même rôle. Les vers de terre, qu'est-ce qu'ils font? C'est les grands lombriques, ce qu'on appelle la faune anécique. Ils habitent des galeries, eux, ils habitent des terriers. Ils ne sont pas comme la faune épigée ou la faune endogée qui change d'endroit tout le temps. Eux, ils ont des galeries. Toutes les nuits, ils sortent. Ils laissent l'arrière de leur corps dans la galerie pour pouvoir rentrer dedans s'il y a un prédateur. Et ils prennent de la matière organique, ils l'emmènent, ils redescendent, là ils remontent de l'argile et passent leur temps à... Parce que quand ils ont fait demi-tour, ils vident leur intestin pour former une crotte qu'on appelle le turricule. Et il se trouve que les vers de terre ont dans leur intestin une glande qu'on appelle la glande de Morène qui est très riche en calcium. Donc ils remontent de l'argile, et ils mélangent dans leur intestin de l'argile et de l'humus et il se trouve que les argiles sont négatifs, les humus sont négatifs et le calcium est un ion qui a deux charges positives. Donc une charge positive va attacher l'argile et une charge positive va attacher l'humus. Et ils vont fabriquer du complexe argilo-humique. C'est les vers de terre qui fabriquent la terre. Le premier scientifique qui va s'y intéresser, c'est Darwin. Darwin va être le premier à donner une échelle des restes humains. Parce que si vous faites des profils, vous verrez que les pierres taillées, on les trouve en profondeur, puis les mosaïques romaines, puis les restes du Moyen-Âge. Ce n'est pas parce que les hommes de la pierre taillée vivaient sous terre, ils vivaient comme nous à la surface, mais c'est les vers de terre qui ont enfoui tous les restes humains. C'est pour ça que les archéologues passent leur temps à creuser des trous. C'est de la faute des vers de terre. Et en fait, Darwin a une idée très bonne. Il a mesuré la quantité de terre. Un ver de terre rejette son poids de terre tous les jours. Il a calculé simplement les distances qu'il y avait entre les restes humains.
Et il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus vieux que ce qu'on racontait à l'époque. Hein. C'était la Bible, hein. C'était 5000 ans, la création de l'humanité. Donc, M. Darwin a été très prudent pour ne pas avoir la religion sur les bretelles. Mais il a montré que c'était beaucoup plus ancien qu'on croyait. Hein. Si vous mettez, par exemple, un pas japonais dans votre jardin, vous verrez que votre pas japonais va disparaître. C'est les vers de terre qui vont l'enfouir progressivement. Hein, souvent, quand je suis sur le terrain avec les acteurs me disent « Oh là là, j'ai mes cailloux qui remontent ». Alors, j'en explique que le vol lourd des cailloux dans la plaine, ça n'existe pas. C'est jamais les cailloux qui remontent, c'est toujours la terre qui s'en va. Donc, ne faites pas de mauvaises interprétations. Alors, comment nous avons fait pour tuer nos sols? On a violé ces lois fondamentales. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous pouvez violer les lois humaines. Si vous faites choper par la police, vous irez en tôle. Mais ce n'est pas très grave pour l'ensemble de l'humanité. Mais quand on viole les lois universelles, les lois de la biologie, là, c'est très grave. Alors, comment on a fait pour tuer les sols? On a inventé deux armes de destruction massive des sols. D'abord, la charrue. Au début, les hommes, ils gratouillaient la terre avec les chevaux, c'était pas bien grave. Mais quand on a découvert le tracteur, vous savez, c'était Victor Hugo qui disait, pour montrer la fascination des hommes devant les grosses machines, une immense force qui aboutit à une immense faiblesse, voilà ce qui fascine les hommes. Les mecs, ils bandent comme des fous devant un gros tracteur de 300 chevaux, ils en peuvent plus. Donc, ils bousillent les sols, on les retourne. En première erreur, ils mettent la matière organique au fond. Or, il se trouve que tous les champignons du monde sont aérobies. Il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Tous les paysans qui ont eu l'occasion de planter un piquet dans le sol le savent, quand ils sortent le piquet, la pointe du piquet est intacte et le piquet est complètement rongé sur les premiers centimètres. Donc quand vous mettez de la paille dans le sol, vous ne faites plus d'humus. C'est pour ça qu'on arrive à ce système très étonnant que les anciens faisaient à peu près 2 tonnes de paille en France en 1900, ils avaient 4% de matière organique. Maintenant, nous avons 5 à 6 tonnes de paille en France et nous n'avons plus que 1,6% de matière organique sur l'ensemble du territoire. Nous avons divisé par 2 notre matière organique, alors qu'on a multiplié par 2 les pailles. Pourquoi ? Parce que nous les enfouissons. Et à partir du moment où vous enfouissez, c'est fini, vous ne ferez plus jamais d'humus. Heureusement, d'ailleurs, pour la ville de Venise, qui repose sur des piliers de bois, ces piliers de bois sont sous l'eau, en anaérobiose, et aucun champignon ne peut les écrouler. C'est pour ça que la ville est toujours là. Donc, première erreur, enfouissement de matière organique. Et le nombre de gens que je vois en mettre du compost avant de planter un arbre passent leur temps à faire cette erreur, qui est une erreur fondamentale contre les lois universelles. Deuxième erreur, on a apporté les engrais chimiques. Qu'est-ce que font les engrais chimiques? Ils stimulent les bactéries. Or, les bactéries, elles sont minéralisatrices, elles ne font pas d'humus, elles minéralisent. Et les bactéries, elles se multiplient 20 fois plus vite que les champignons. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez des engrais chimiques? Vous accélérez la minéralisation de la matière organique. Quand la matière organique tombe trop bas, la faune disparaît puisqu'elle se nourrit de cette matière organique. Un pays comme la France, nous sommes passés de 2 tonnes de vers de terre en 1950 à l'hectare à moins de 100 kilos. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de vers de terre? Les vers de terre, je vous ai expliqué qu'ils remontaient tous les jours de la terre. Ils remontent de la potasse, du phosphore, de la magnésie, du calcium. Plus de remontée par les vers de terre. Les éléments vont descendre. Pollution des nappes, pollution des rivières. Vous rentrez dans ce qu'on appelle, après cette dégradation biologique des sols, vous rentrez dans ce qu'on appelle la dégradation chimique. Votre terre va perdre ses éléments nutritifs. Vous allez envoyer de l'azote dans les nappes, vous allez envoyer du phosphore dans les rivières, etc. Vous appauvrissez vos sols. Or, il se trouve que lorsque le taux de matière organique est tombé trop bas et que vous avez minéralisé des ions fondamentaux qui attachent argile et humus comme le fer, le calcium, etc., eh bien l'argile n'est plus attachée. L'argile s'en va, les rivières se chargent de boue dès qu'il pleut. C'est la dernière mort des physiques, c'est ce qu'on appelle la mort physique des sols. Votre sol part à la mer. Et c'est comme ça que vous ruinez un sol. Et c'est comme ça que des agriculteurs qui, à l'heure actuelle, moi je travaille des agriculteurs depuis 89, des gens en Beauce qui étaient très fiers de faire partie du club des 100 quintaux, ils roulaient des caisses. À l'époque, ils avaient des blés qui, en génétique, étaient des blés à 110 quintaux, donc ils faisaient presque le rendement génétique. Maintenant, ils ont des blés à 150 quintaux et les mêmes agriculteurs font plus que 90 quintaux. C'est-à-dire qu'ils ont des Ferrari, ils roulent sur des chemins de terre. C'est pas la peine d'avoir une Ferrari, c'est pour rouler sur un chemin de terre, vaut mieux avoir une deux chevaux. Hein, donc ça, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ils ne valorisent plus la génétique de leurs plantes. Et on sait que cette génétique est valable, puisque récemment, ils ont fait une expérience en Nouvelle-Zélande sur un sol qui n'avait jamais été labouré, jamais touché. Et ils ont fait 162 quintaux en semi-direct, et ils ont fait 152 quintaux en labour. Donc ça montre que le potentiel génétique est bien existant, mais c'est nos sols qui sont à genoux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire remettre, pouvoir faire une agriculture durable? C'est reconnaître que la propagande des multinationales et de la propagande, ce n'est pas de la science. Il va falloir remettre de la science dans l'agriculture. Or, l'agriculture n'a plus de science depuis 50 ans. Elle n'a que de la technique, elle n'a que des produits chimiques, elle n'a que des grosses machines. C'est-à-dire qu'elle fait tourner le business agro-industriel. Mais cette agriculture n'est pas là pour nourrir les hommes. Elle est là pour enrichir l'agro-industrie. Or, le problème qu'on a maintenant avec 7 milliards d'individus, c'est qu'il va bien falloir se décider à nourrir les hommes. Et nous avons maintenant 1 milliard d'hommes qui souffrent de la famine. Donc la révolution verte, c'est un échec total. Le problème, c'est que cette société qui est obsédée par le profit ne veut pas reconnaître ses torts. Elle ne veut pas reconnaître que la révolution verte est responsable de la famine d'1 milliard de personnes, c'est-à-dire autant d'habitants qu'il y avait en 1800 sur cette planète. Donc il va falloir changer complètement notre agriculture. Il va falloir
à mon avis, dissoudre des sociétés comme Monsanto, Novartis et compagnie, qui sont des assassins. Il va falloir qu'on crée une espèce de justice internationale sur crimes contre la vie. Ce sont des criminels contre la vie, ces gens-là. Hein, ils ont tué... l'activité biologique des sols que je mesure, elle ne cesse de baisser depuis que je la mesure. Je la mesure depuis 89, est en baisse constante. Et quand je compare avec les chiffres du début de 1900, nous avons perdu à peu près 90% de notre activité biologique. Et en particulier, les grands disparus, c'est les champignons. Les champignons ont complètement disparu avec les engrais chimiques. Or, c'est eux qui font les humus. Et depuis qu'il n'y a plus de champignons, vraiment, les sols vont très, très mal. Et c'est pour ça, là, tout à l'heure, vous parliez du BRF. Pourquoi le BRF a un effet tellement spectaculaire sur la relance de la vie des sols? C'est que vous apportez de la lignine. C'est vous redonnez cette substance que seuls les champignons sont capables d'attaquer et vous permettez, vous remontez le C sur N. C'est-à-dire vous remontez le rapport carbone-azote. L'agriculture, elle n'a pas besoin d'azote, elle a besoin de carbone. C'est ça que les agronomes n'ont toujours pas compris. Comme les agronomes ignorent tout de la vie des sols, la chaire de microbiologie des sols à l'agro a été fermée en 1986. Là, vous avez devant vous un fossile vivant. D'accord ? C'est-à-dire que des microbiologistes des sols, on n'en fabrique plus en France. Vous avez 150 agros qui sortent de la boîte, ils ne connaissent rien des cycles microbiens. Enfin, c'est quand même hallucinant. Ils ne savent pas distinguer un basidiomycète d'une bactérie ou d'un actinomycète. Ils ne savent pas que les rôles sont complètement différents. Donc si on veut remettre de la vie dans les sols, il va bien falloir qu'on mette de la science et qu'on arrête d'inventer des modèles artificiels type révolution verte, de donner le prix Nobel à un mec qui a ruiné 300 millions d'hectares de sols avec sa révolution verte. C'est pas ça le but. Le but, c'est de remettre de la science pour qu'on puisse à nouveau regarder les sols comme ils sont. Parce que le grand livre, c'est la nature. C'est pas derrière un ordinateur qu'on découvre le fonctionnement d'un sol. C'est en faisant des trous. Avec Lydia, on en a fait plus de 12 000 à travers la planète, hein, depuis l'altiplano des Andes, en passant par les sols norvégiens et les sols d'Amérique et de Bornéo. Les sols, on sait comment c'est, parce qu'on en ouvre, et qu'on regarde la faune, on regarde les racines. Hein, mais c'est plus ce que font les agronomes. Voilà, je vais essayer de raccourcir. Hein. Et je vous remercie pour votre attention. Bravo, Claude. Je crois que tout est dit, hein, tout est dit. Il faut vraiment qu'on change de civilisation. Donc je remercie nos trois intervenants et je ne sais pas si j'ai le temps de passer la parole à la salle parce que vous bouillez certainement, vous avez envie de poser des questions. Oui, il y en a une là-bas, mais j'ai pas de micro pour vous transmettre ici. Il faut que ce soit quelqu'un dans la salle. Est-ce que c'est prévu, s'il vous plaît? Oui. Voilà, ça vient. J'ai combien de temps? Parce que là, on a... Évidemment, on avait un quart d'heure de retard, hein, alors il faut... Il fallait le récupérer, on est dans les temps. Hein. On est dans les temps. Bah, on n'a même pas récupéré notre quart d'heure. C'est vrai, mais on devrait terminer à 10h. Donc, moi, je suis... Oui, donc, ma question, c'est... Donc, Christian Buys, du Mouvement National de Lutte pour l'Environnement. Sur quelle profondeur, donc, on doit travailler les sols pour ne pas les abîmer, pour enfouir l'humus, etc.? Il ne faut pas les travailler du tout. Hein. C'est-à-dire que c'est intéressant de regarder un paysan chinois, puis un maraîcher chinois et un maraîcher européen. Le maraîcher européen, il enfonce sa bêche, il se lève, il se casse les reins, il retourne tout. Le paysan chinois, il ne fait pas ça, il enfonce sa bêche, il remue sa bêche pour apporter de l'oxygène, il retire sa bêche, il prend 2 cm de terre et hop, il retourne, c'est tout. Il ne se casse pas les reins et il respecte la loi universelle du sol. Ne retournez pas les sols. Donc il existe ce qu'on appelle les semoirs de semi-direct qui permettent de semer directement. Alors pour les maraîchers, vous avez ce qu'on appelle les roues semeuses, qui sont des roues qui font tourner des petites pointes, qui s'écartent, qui font tomber la graine, qui peuvent faire tomber une boulette de matière organique ou de fiente de poule, etc. Et vous semez directement à travers vos couverts. Donc vous faites un engrais vert toujours avant vos cultures, vous les écrasez avec un petit rouleau qu'on appelle un rouleau facasse, un rouleau sur lequel on soude des barres, qui écrase l'engrais vert, mais il ne faut surtout pas enfouir l'engrais vert parce que vous allez faire des fermentations anaérobiques dans le sol et vous n'aurez pas de champignons. Il faut toujours laisser l'engrais vert à la surface et vous semez derrière, vous mettez votre rouleau facasse à l'avant et le semoir derrière et vous semez sans jamais toucher au sol. Et pour la pomme de terre? Alors pour la pomme de terre, les Boliviens m'ont appris à semer, parce que moi je n'ai pas le temps beaucoup de m'occuper de mon jardin, donc je simplifie les choses. Ils m'ont appris une technique très simple pour la pomme de terre, je parle là en maraîchage individuel, hein, pas en grand champ. C'est tout simple, vous posez vos pommes de terre sur le sol, vous les répartissez correctement avec un radis, avec un râteau, et vous les recouvrez de 20 cm de paille, et c'est tout. Alors le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas à les arroser, il n'y a pas à les buter, et puis quand vous voulez des patates, vous soulevez la paille, vous prenez des pommes de terre et elles en refabriquent. Donc ça vous permet d'avoir des patates nouvelles, d'avoir des patates à toute la saison, sans vous casser les reins, sans vous embêter. C'est ce que font les paysans boliviens. Et il ne faut pas oublier que la pomme de terre, ça vient de Bolivie. Donc ils ont quand même un peu plus d'expérience de la patate que nous. Voilà. Donc à faire, on peut faire aussi avec des cartons. On peut faire, voilà. Mais ça ne peut se faire qu'au niveau individuel. Mais comme il n'y a plus de paysans,
ça explique que les marchands de machines agricoles, ils ont encore de beaux jours devant eux, quoi, c'est ça. Bien sûr, allez-y, Nicole. D'où l'intérêt de relancer le maraîchage en pied d'immeuble, que les habitants dans les villes se réapproprient ces espaces verts stériles pour en faire quelque chose de vivant, quoi. Voilà. La parole, oui, qui a le micro. Bonjour, Monsieur Pierrot. Alors, on parle du monde agricole, mais on pense que la biodiversité peut aussi venir des milieux urbains. Et un urbain qui a une petite maison avec son jardin, là, qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, vers qui il se tourne pour cultiver ou entretenir son terrain, comme vous le dites, plutôt que de faire ce qu'on fait aujourd'hui? Premièrement, entourez votre terrain d'une haie. Alors surtout pas une haie de thuya. Hein. Faites pas un blocos végétal pour que vos voisins vous voient pas prendre le barbecue. Pas de cyprès, pas de résineux, c'est toxique, ça tue les vers de terre, c'est des plantes dangereuses. Hein. Donc vous faites une haie de feuillus. En plus, choisissez les espèces où vous aurez des fleurs toute l'année. Hein, si vous commencez avec les cornouillers, vous aurez des fleurs dès le mois de mars. Vous terminerez avec des arbres qui font des fleurs plus tardivement. Vous aurez les prunus, les églantiers, etc. Donc ça, c'est agréable. Vous nourrirez les abeilles. Et surtout, cette haie va vous fournir du bois raméal fragmenté. Et en broyant les tailles de vos haies, vous allez le poser directement sur votre sol qui a souvent, dans les zones pavillonnaires, a été pas mal détruit, comme ça a été, comme vous l'avez très bien expliqué. Ils font du BTP, les mecs, ils font pas de la... quand ils préparent les zones pavillonnaires, c'est du BTP, c'est pas de l'agriculture. Donc vous allez, en remettant ce BRF, vous allez remettre les champignons, tout le système biologique va revenir, hein, la faune. Alors, deuxième chose, si vous avez un gazon, il est indispensable que votre gazon monte en fleurs au moins une fois par an. Alors pourquoi là, une prairie ne peut est durable que si elle monte en foin? Les vieux, ils n'étaient pas fous, ils faisaient du foin. Il y en a Brutti qui a inventé l'ensilage, il a eu droit au prix Nobel, il a rendu toutes les vaches malades. Il faut absolument que la prairie monte en foin. Pourquoi? Parce que si elle monte en foin, apparaissent des espèces d'insectes fondamentales pour l'aération du sol, qui sont les acridiens, les criquets, les grillons, les sauterelles, qui vont vous aérer votre sol et faire qu'au lieu que votre prairie tondue se couvre de mousse, et vous allez acheter ensuite un produit qui tue la mousse, et puis etc. Et puis votre gamin, ensuite, il va s'allonger sur la truc, il va avoir les cuisses sous trou, je veux dire, il est allergique au gazon, il n'est pas allergique au gazon, il est allergique au produit que vous avez mis sur le gazon. Eh bien, si vous laissez monter en herbe, vous allez avoir des sauterelles, ça va aérer votre sol et votre prairie durera beaucoup plus longtemps. Et ce foin vous servira, vous faucherez ce foin en fin d'été, il vous fera votre compost que vous mélangerez avec le BRF, et vous allez avoir gratuitement, sans rien acheter, vous allez fertiliser votre jardin tranquillement et nourrir des bons légumes. Merci. Nouvelle question, oui, allez-y. Je voulais demander quelle était la capacité de résilience des sols une fois qu'ils avaient été très abîmés dans des pratiques agricoles. Nous, on restaure des sols en 5 ans pour des rotations d'hiver type blé, orge, colza, c'est-à-dire des cultures qui sont semées en bonnes conditions, récoltées en bonnes conditions. Par contre, là, on travaille dans la région de Ham sur ce qu'on appelle des sols fatigués qui font betterave, blé, betterave, blé, betterave, blé, ou betterave, patate, oignon, haricot, vert, blé. Alors là, on en est, pour le moment, j'en suis à 19 ans d'expérimentation, l'activité biologique ne revient toujours pas. Donc il y a peut-être des sols qui demanderont 30 ans, 40 ans à être mis debout, hein, ça dépend. Parce que sur des grandes cultures, vous ne pouvez pas épandre du BRF. Si vous dites au gars, vous allez épandre du BRF sur 500 hectares, il vous regarde d'un drôle d'œil, le bonhomme. C'est normal.